Mesdames et messieurs, je vais vous parler de Webtoon. Il y a plusieurs, plusieurs chroniques Webtoon cette semaine. Donc je vais vous parler de Webtoon ce soir. Ploupi ici présente, m'a réclamé mon top Webtoon. Du coup, je me suis dit que j'allais euh, analyser sur la semaine quels sont les tu sais, chaque jour il y a des sorties différentes, ils ont des jours de sortie et en fait euh, bah chaque jour quel est le Webtoon qui me donne le plus envie de cliquer. Et comme ça tu auras un bon aperçu de mon top. Euh, parce que bah, c'est vraiment ce dont je suis le plus prise. Et puis alors, euh, ça peut varier au cours de l'année en fonction des webtoons en pause, en fonction des arcs narratifs qui sont abordés à ce moment-là, des sorties récentes et donc qui font que ma curiosité est plus éveillée. Bref, on va dire c'est mon top du coup du hebdomadaire du mois de juillet. On est encore en juillet, plus pour longtemps, mais voilà. Afin que tu aies un aperçu de ceux qui sont euh, mes, mes préférés en, en ce moment. Et on commence avec le lundi. Messieurs, dames, et le lundi, c'est une découverte de cette année, et ça s'appelle Estionnage d'élite, et c'est trop bien. Alors, c'est un passe euh, d'ores et déjà. Euh, et on l'a découvert il y a pas très longtemps. C'est classé dans la catégorie romance. Alors, de l'amour, oui, il y en a, mais il y a aussi, surtout, une meuf ultra badass. On parle euh, d'une fille qui sait se battre, on parle d'une fille qui est littéralement un genre d'espionne, euh, agent secret, euh, euh, mercenaire, euh, bref, une meuf ultra badass qui s'est assassinée des gens, <laughs> et qui, euh, dont la famille a été euh, assassinée, famille ou tiers, euh, et qui euh, s'infiltre dans un lycée, pour découvrir, essayer d'identifier qui est le fils bah, de son ami numéro 1 et s'en prendre à lui. Euh, et euh, au passage, elle va donc faire la connaissance de deux beaux gosses. <laughs> donc, on a un bon mix de tout ce que j'aime avec des dessins qui sont très jolis. Je ne peux pas vous montrer les dessins en lien avec le dernier épisode et de pourquoi en ce moment, voilà. parce que ah, le format d'EliPass ne permet pas de le faire euh, sur, euh, sur Webtoon. C'est le seul, je crois, qui a un d'EliPass là-dedans. Euh, pour l'instant. Ah, c'est dur en vrai. J'aime bien les deux. <laughs> j'aime bien les deux. J'aurais peut-être une petite préférence pour le brun. Bon, par contre, ne me demandez pas les noms. J'ai déjà oublié. Euh, mais euh, mais les deux sont chouettes. Et au début, j'avais un peu plus de mal avec le blond, c'est vrai. Mais finalement, je commence à lui trouver un côté attachant. Alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, elle a vraiment des réactions euh, hilarantes, je trouve, sur certains points. Euh... Qui, euh, ben bah voilà, quand on sait pas, on prend les deux, voilà, c'est exactement ça. Et, euh, et qui, euh, tu sais, elle a cet aspect où elle a dû grandir un petit peu trop vite, donc dans finalement la vie de lycéenne, tout ce qui y a de plus classique, les amitiés qui vont avec, c'est des choses qu'elle a pas forcément connues. Donc je trouve qu'il y a un juste équilibre et un juste dosage entre ces tranches de vie lycéenne, et puis en même temps, il y a vraiment une intrigue euh, à côté. Euh, sur euh, qui est ce mec euh, qui attend et puis les deux, le blond et le brun en vrai, ils, ont, ils sont aussi euh, très entourés de, de mystères. Euh, plus il y a des touches de romance et de rapprochement physique qui sont intégrés un peu dans les deux. Euh, là, à ce stade de l'histoire, je te spoil un peu, mais vraiment euh, des pelles ont été roulées des deux côtés, quoi. Donc... Euh... Euh, ouais j'aime bien, ouais il y a des moments d'humour et puis il y a des moments vraiment d'action, en mode ultra badass comme j'adore le retrouver dans les webtoons d'action que je suis. Donc en fait je trouve que c'est un charmant dosage de un peu tout ce que j'aime dans les webtoons, même si c'est classé dans romance, c'est vraiment en beaucoup plus que de la romance. Euh, c'est une très bonne découverte que j'ai faite de, de manière un petit peu récente et, euh, et, que, euh, et que du coup j'aime beaucoup suivre. Alors j'ai rattrapé tous les épisodes d'Hellipass qui sont sortis, donc à ce jour bah, j'attends la sortie hebdomadaire hein, comme, comme tout à chacun. Et vraiment je, je passe toujours un, un très bon moment et ça, il me tarde à chaque fois de voir la suite de l'intrigue. Et, et ça peut être un peu dark and deep euh, de temps en temps. Si vous n'aimez pas le sens, n'aimez pas un webtoon pour vous. <laughs> Clairement, il y a des gorges tranchées et en même temps par-dessus un petit un petit bisou. Ah, C'est charmant. <laughs> le mardi, euh, que serait le mardi sans lookisme euh, C'est vrai que là, pendant quelques temps, j'avais, euh, ouais, j'avais une quarantaine d'épisodes de, de retard peut-être euh, sur euh, 471. Donc en vrai, j'étais pas non plus euh, trop trop en reste, mais je les ai tous rattrapés. C'est pas du Pass, donc tu peux, te, tu peux te faire les 471 épisodes d'un coup si tu as envie c'est mon classique, c'est mon week mon webtoon préféré all time de la plateforme je t'ai fait une vidéo sur lui il y a pas très longtemps donc je vais pas te le représenter mais euh, du coup je, je suis si brièvement hein, tu, tu intègres euh, tu es un garçon pas beau euh, pas populaire qui te fait bully complètement au lycée et puis un jour tu te réveilles et puis tu as un autre corps en fait euh, quand tu dors dans l'un tu te réveilles dans l'autre <laughs> et ce corps là c'est un corps de beau gosse donc ta vie au lycée va changer mais si ce n'était que le lycée sachez que depuis lors on a bien quitté le lycée euh, et l'histoire a pris une dimension incroyable. Euh... Lucas, je me suis totalement passé à côté, mais j'ai commencé la série qui est pas mal. Alors, il me semble que la série Dispo sur Netflix est un petit peu décriée sur le fait que ça s'éloigne du webtoon. Mais je sais pas dans quelle mesure, parce que j'ai pas regardé, euh... pas regardé la... la série du coup, donc euh, je sais pas, moi je préfère la lecture. Mais. Euh... En gros, on est, on a large, on est largement sorti du cadre du lycée. Ça touche à des guerres de gang, ça touche à des organisations. Et vraiment, la particularité, c'est que euh, c'est... Enfin, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi j'aime bien regarder <laughs> évidemment, il y a de la bagarre, il y a de l'action. J'aime le fait que tous les personnages secondaires aient une profondeur et des arcs narratifs qui leur soient vraiment <laughs> tous. Ils euh, sont tous attachants, en fait, d'un côté. Donc, évidemment, t'as le personnage principal auquel tu t'attaches tout particulièrement. Mais <laughs> excusez-moi, les personnages secondaires aussi ont leur lot de. Bref, et là en plus on a un arc narratif que j'adore. On essaye euh, de faire tomber, on va dire, euh, une... la grande filiale. On voit bien l'arc narratif là. Ouais on le voit bien. Non mais vraiment c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Euh... En tout cas, ils se sont tous associés, eux qui par moment ont pu être des, des ennemis, etc. Là, à ce stade de l'histoire, ils sont tous ensemble, ils se battent ensemble contre le gros, gros méchant. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un autre gros méchant derrière le grand méchant et. Il y a des structures internes, des rebondissements, des. C'est dingue, c'est épique. Les combats sont, sont une dinguerie. L'histoire de ce corps, euh, deuxième corps qui sort d'onde, sait où On ne sait pas trop. Le personnage principal aussi a connu une, év une évolution en 400 épisodes. Tu te doutes, on n'est plus du tout sur le, le même truc. Et en fait, ils ont réussi à faire évoluer les persos aussi. Je trouve que c'est. ouf. À la base, ah, dites-vous, ils sont peut-être encore lycéens, quoi. On dirait pas. <laughs> Ils sont tous chefs d'organisation de machin. Et ils ont tous été s'entraîner. Je vous parlais des, des autres générations. Eux, c'est la deuxième génération. Avant ça, il y a euh, la première génération. Et avant ça, il y a encore la génération zéro. zéro. Et parmi eux, il y a des... des... Des, des légendes humaines, quoi. Et en fait, ils se sont tous plus ou moins euh, fait mentoriser par ces mecs-là. Et du coup, c'est aussi rigolo euh, parce que ça leur permet de level up un peu euh, leur, leur puissance. Il y a une façon de développer. Bref, je trouve ça trop, trop bien. Euh, bon, bon, comme quoi, euh, ça commence, c'est romance, action, action, romance, bon gosse, toujours. <laughs> Ah, beau gosse, toujours. Euh, le mercredi, bah, ça aussi, c'est une découverte de cette année. Euh, Dionysos, mon dieu insatiable. Je vous en avais parlé quand elle était sortie. Il m'avait tapé dans l'œil parce que bah, Dionysos était en mode Wouhou, la mythologie grecque, c'est pour moi. Et écoutez, bah moi, je suis toujours à fond dedans. Je ne suis pas du tout déçue. Et euh, c'est trop bien. Donc, euh, pour vous expliquer le plot twist de cette histoire, Dionysos euh, doit faire du vin, du nectar, et pour faire ce nectar, il se, il se sert des désirs des gens, des désirs des humains, mais dans une société de consommation et de capitalisme, pff, le désir n'a que peu de saveur, et puis il tombe sur cette mortelle. Qui, euh, qui n'a pas de désir vraiment ça gorge est vide <laughs> elle n'a pas de désir dans la vie et du coup son but va être de lui créer du désir pour que euh, vous le verrez il puisse en ressortir un petit nectar euh, tout ce qui y a de plus divin donc à ce stade de l'histoire non seulement les dessins sont très beaux mais il y a aussi eu un rapprochement forcément entre les deux protagonistes et il a pu euh, je, je pense qu'on est qu'on qu glisse tout doucement euh, dans bah, dans le fait que ils s'en rendent peut-être pas encore compte, mais ils ont des sentiments euh, mutuels. Mais elle, elle ne veut pas trop s'engager parce que lui, il est en mode Non, mais les mortels, tous des nazes. <laughs> Donc elle est en mode Non, mais c'est sûr, il ne m'aime pas, tu vois. Et lui, il est jaloux, mais il comprend pas trop que c'est de la jalousie, euh, je pense. Et il commence à faire des trucs un peu. qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Et il y a quand même un, un, un tiers dans cette équation qui crée un genre de triangle amoureux dans la dynamique aujourd'hui c'est le collègue de travail de la protagoniste. Et euh, bon bah c'est assez marrant euh, de, de les voir et, euh, et voilà. Le fait que ce soit un dieu, euh, c'est assez rigolo. Il y a des scènes sexy, il est beau. Euh, sur certaines de ses attitudes, je suis pas trop trop fan, mais dans le sens, c'est quand même un webtoon qui se dit bien et j'ai hâte de voir comment leur relation va s'approfondir et à quel moment ça va, ça va changer. En tout cas, pour le mercredi, c'est toujours le webtoon sur lequel je clique en premier. Donc euh, preuve que bah, je suis quand même bien dedans quoi. Le jeudi... Double Jungle Juice, euh, c'est un webtoon dont je vais vous parler jeudi d'ailleurs, parce que je voulais vous faire une chronique jeudi spéciale saison 2, je vous parlerai de Jungle Juice et je vous parlerai de plus 99 bâtons de stick là, je... <laughs> je fais du franglais alors qu'il a un titre en anglais, euh, stick euh, je sais plus quoi. Euh, wooden Stick, euh, parce que euh, j'avais suivi toute la saison 1. Et euh, pendant la pause de la saison 2, je m'étais pas. Euh, J'avais pas repris tout de suite quand la saison 2 avait repris, mais là, j'ai. Je me suis tout réanquillée. Bon, après, il y a 43 épisodes sur la saison 2, mais pareil, je me suis tout réanquillée et. Oh my god, déjà j'avais adoré la saison 1. Alors pour vous refaire aussi, pour vous reposer le contexte, euh, Jungle Juice, c'est un monde euh, où il y a un produit qui s'appelle Jungle Juice, justement, et que notre héros, euh, Sushan, euh, va utiliser pour bomber un insecte. Et oh là là, ce produit était euh, spécial, puisque euh, en tuant l'insecte, avec ce produit-là spécifiquement, il va en fait se changer on le dit insecte qu'il ne voulait pas voir en peinture, donc dans son cas une libellule, mais pour d'autres personnes ça sera des cafards, etc. Donc on vit dans un monde où à cause d'un insecticide, des gens ont des forme insectoïde, je sais pas si on peut, ça se dit en vrai, euh, et se retrouve à devoir quitter euh, le reste de la civilisation parce que c'est gênant. Et donc ils vont dans un endroit, dans une structure qui s'appelle le nest pour le nid, et c'est un genre d'école où ils vont apprendre hein, finalement à, à vivre avec ça, avec un une carotte en mode les meilleurs élèves pourront remporter le Traitement Cendrillon ou le remède Cendrillon, je sais plus comment il le formule, mais qui pourrait leur repermettre de redevenir, enfin, de, de redevenir des humains en fait, et de se débarrasser de ça. Ce qui est évidemment une motivation à toute épreuve, notamment pour notre héros Sushan. Mais qui va. Enfin là aussi, je trouve que tous les personnages sont trop pipous. En plus, t'apprends plein de trucs sur les insectes en vrai. Alors, j'ai pas été vérifier les infos à chaque fois euh, de si c'était vrai, mais ça a l'air plausible en tout cas. Et euh, je trouve que c'est trop trop intéressant de la façon dont c'est euh, que dont c'est amené, plus les dessins qui sont quand même ultra beaux, je trouve. Je sais pas si j'ai pris la tenue la plus flatteuse. Les filles sont sexy. <laughs> <laughs> bah, tous les personnages sont sexy aussi, j'ai envie de dire. Euh, et et j'aime bien, bien la relation de Sushan et de... J'ai oublié son blaze à la meuf cafard. Euh, et, et, et vraiment cette saison 2, mais je vous en parlerai jeudi, mais j'aime bien aussi parce qu'ils ont trouvé le moyen de level up. Euh, là aussi, je rentrerai pas dans le détail euh, complètement, mais en fait, il euh, y a un grand méchant dans l'arc de la saison 1. Euh, qui notamment inflige ce qu'on va appeler le goûter. Euh, le goûter, c'est le fait de manger d'autres hommes insectes. Et une fois que tu l'as fait, tu, tu deviens euh, fada, tu perds le contrôle et c'est l'insecte en fait en toi qui va prendre le contrôle de ton corps et tu deviens euh, littéralement une machine à tuer, un zombie insecte euh, gouverné par la faim de manger d'autres hommes insectes. Euh, voilà. Et, euh... et avec ça les quelques rares personnes qui ont été confrontées au goûter, vous allez voir que dans l'arc saison 2, euh, ils ont trouvé le moyen de, de glow up ça, et de leur donner un genre d'évolution qui, qui les rend encore plus puissants, avec de nouveaux méchants, de nouvelles intrigues, etc. Mais c'est trop trop bien, et euh, je suis trop fan aussi comment cette saison 2 est partie sur les chapeaux de roue, mais je vous en parlerai plus jeudi du coup. Le vendredi, The Mafia Nani, bon bah ça c'est Ellie qui nous avait fait la promo, et en vrai, bah, le vendredi, euh, c'est une journée assez calme. Alors, c'est un webtoon très bien. Tu vois, si je devais les mettre sur une semaine, c'est pas forcément sur, sur celui-là que je cliquerai en premier. Il y a des jours où il y a plusieurs webtoons qui pourraient se donner la bourre. Le vendredi, c'est assez calme de mon côté. Et du coup, The Mafia Nani sort vraiment du lot par rapport au reste. Euh... Donc, dans The Mafia Nani, bon, c'est de la romance. Euh, on suit une nounou d'élite euh, qui est allée à l'école des nounous d'élite euh, <laughs> et qui... Euh... est chargée de la. Oh, Je suis en train de le lire justement, <laughs> qui est chargée de la protection d'un enfant d'un mafieux. Alors pour la petite histoire, elle-même, elle était enfant de mafieux. Euh, ses parents ont été assassinés dans des circonstances un peu cheloues. Elle a été protégée par sa nounou et c'est aussi pour ça qu'elle a rejoint l'école des nounous pour protéger de, de, des enfants en retour aussi. Elle quand elle serait grande. Et elle se retrouve plus ou moins à travailler, euh, peut-être, c'est euh, quelqu'un en tout cas qui a un lien avec la disparition de ses parents, donc elle veut en profiter pour mener l'enquête, et en même temps, bah, elle s'attache quand même à cette famille toute mignonne, euh, et euh, l'une des consignes était euh, pas de rapprochement romantique, t'entends bien, mais c'est un webtoon de romance, donc tu peux comprendre que, bon, cette règle, à un moment, va sauter, mais en tout cas, à ce stade de mon histoire... Tu sens qu'il y a des petits rapprochements dans l'air, tu sens qu'au début, elle n'était pas euh, ultra investie dans... Euh, tu sais qu'elle ne voyait pas forcément d'un bon oeil euh, l'homme en question, euh, parce que sa famille, parce que tout ça, mais en... j'ai l'impression qu'elle commence à voir le... le fait que lui aussi, peut-être, c'est un genre de victime de sa famille ou un truc comme ça. Donc, euh, j'ai l'impression que son... sa vision de l'homme est en train de se modifier, même si déjà, elle n'est pas complètement insensible. Il hein. y a des... Euh... Ouais, justement. <laughs> c est, c est... Le boss me fait penser à Silus, bah un peu, en vrai. Bah, bah, il y a cette vibe un peu d'Addy. Euh, comme tous les webtoons, euh, généralement où il y a des enfants qui sont représentés, on est sur un enfant de type euh, hyper euh, mature pour son âge, très alerte. Euh... Je sais pas pourquoi il les représente toujours comme ça, de manière très très intelligente. Euh, il aurait 15 ans, euh, dans un corps de, de quelqu'un de 3, ça ferait à peu près la même chose. Mais souvent, les enfants sont représentés comme ça dans les webtoons. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, je suis toujours à cliquer en premier parce que l'histoire est prenante, les dessins sont très beaux. Et euh, franchement, je suis assez curieuse de, de pouvoir assister aussi au rapprochement euh, de, de ces deux individus. Quoi, je me demande quand est-ce que euh, les enfants ne sont pas réalistes Ah bah pas du tout. Hein. Euh, bah, j'étais un peu triste pour le canard quand même dans le dernier épisode. Euh... <laughs> Moi, le canard, vraiment, ça m'a fait un peu de peine. Je vous avoue le doudou canard. Mais euh... <laughs> C'est les enfants de la innocence, on les voit déjà grandir trop vite. Mais euh, du coup, voilà, c'est trop bien et je suis... je suis quand même un peu dans l'entente en mode ok, trop hâte de voir ce qui va se passer. Le samedi, le samedi, et eh ben je suis dans le vœu du diable. Alors, ça, c'est un webtoon dont je vous parlerai euh, demain, en plus en profondeur. <laughs> Ah, puisque c'est un webtoon aussi qui est sélectionné dans mon top 3 des webtoons très très chauds pour l'été mmh. <laughs> euh, donc euh, ici on suit le parcours alors il y a des démons il y a des anges et il y a surtout du contenu explicite euh, voilà mais je vous avoue que les personnages sont beaux et au-delà au de ça, il y, euh, y, y a une trame de fond avec des rapprochements de personnes. Et en fait, ça m'intrigue trop de me dire Mais bah, je comprends pas pourquoi. Pourquoi là, il est malade Pourquoi, euh, pourquoi là, cet ange, ça le fait chier Pourquoi c'est une star euh, Pourquoi. Euh, voilà. Alors, je... Voilà, ça, c'est le démon. Il est vraiment pas mal. Et de l'autre côté, il y a un ange un peu à, à l'opposé, en mode. Euh, yeux bleus, cheveux blonds. Alors, j'ai pas écrossé, mais tu donnerais une deuxième chance. <laughs> Donc, euh, ça commence vraiment d'entrée de jeu. C'est assez sexy. Euh, tu sens qu'il y a des, ra des, des rapprochements. Donc, en fait, on va suivre l'héroïne qui fait un peu sa rentrée scolaire. Euh, elle va. Euh... Elle va assister à une soirée où au cours de la soirée, il va y avoir un rapprochement avec un mec qui s'avère être une superstar. Et elle Famoso, en Ange, a priori. Euh, et euh, ça va se savoir, ça va se fuiter euh, dans tout le bahut. Et du coup, euh, elle va se faire un peu juger. Et lui, qui est un démon, bah a priori, c'est dans ses capacités, il a ce pouvoir euh, de réaliser des souhaits euh, si tu l'embrasses. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas euh, Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle l'a embrassée qu'il a pu réaliser le souhait Ou est-ce qu'il a fait juste pour qu'elle l'embrasse pas clair mais c'est vrai que quand on le rencontre au début lui, il est très investi euh, vis-à-vis d'autres meufs hein. elle le croise à chaque fois avec une meuf différente euh, mais euh, il va y avoir des petits rapprochements assez sexy et du coup elle elle, elle sait pas trop tu vois parce qu'il va y avoir eu, eu ce rapprochement avec l'ange ce rapprochement un peu avec le démon au final elle pense beaucoup à lui elle rêve de lui quand même et euh, et il y aurait une connexion avec une vie antérieure donc en vrai j'ai plein de bah comme un puzzle actuellement j'ai plein de trous et de mystères et du coup outre les scènes sexy qui donnent envie de cliquer bien sûr euh, J'ai quand même envie d'essayer de démêler un peu le pourquoi du comment et je pense qu'ils ont une connexion dans une vie d'avant euh, qui expliquerait des choses mais du coup ça explique pas pourquoi là il est malade mais est-ce que c'est parce qu'il a réalisé des vœux et qu'il qu devait pas où s'arrête ses pouvoirs de démon qui est vraiment l'ange par rapport à lui qu'est-ce qu'il vivait vraiment ils ont l'air de se détester mais vraiment enfin je sais pas Donc, trop de trop de questions sans réponse et du coup euh, j'avoue que euh, ça plus les jolis dessins et les scènes sexy euh, ça me fait expliquer <laughs> Voilà! Euh, du coup, il nous reste le dimanche! Et eh bah, ben, le dimanche, c'est euh, aussi une découverte assez, réc assez récente, mission euh, jumelle en jumeaux. Et, euh, et là, si vous aimez le genre un peu harem, plein de beaux gosses et surtout des, des, euh, des situations rocambolesques, euh, j'allais dire, avec euh, des quiproquos, euh, vraiment beaucoup d'humour. Vraiment beaucoup de situations foireuses. Vraiment, ce webtoon est trop trop bien. Donc pour l'histoire, il y a des jumeaux. Euh, on est dans un dans un plot twist narratif très euh, classique dans le sens c'est une monarchie. Euh, L'héroïne euh, va se faire, enfin euh, sa famille se fait assassiner. Alors dans mes souvenirs, ça devient très médiocre, vraiment nul. Qui celui-là Parce qu'au stade où j'en suis moi dans ma lecture, franchement, c'est toujours très bien. Et c'est toujours très rigolo et très. Euh... Oui, je vais vérifier. Ok. Et en fait, sa famille se fait euh, donc assassiner par euh, un méchant roi fou, tu vois, ou prince fou, euh, et euh, bif, rollback dans le temps. Bon, bah, ça, c'est une mécanique assez classique qu'on voit dans les webtoons. Et du coup, pour éviter que cet événement arrive, euh, elle se dit elle va prendre la place de son frère parce que tout serait parti du fait que son frère en allant à l'école des cadets genre en présence de ce prince se serait fait euh, mal voir entre guillemets et comme il était nul à l'épée et des trucs comme ça euh, oh merci, Hello Lunique, pour le reception. J'ai le level niveau 30. Euh, Qu'en fait, la haine est née de là et ça a eu cette conséquence. Et elle se dit que pour éviter ça, comme ils sont jumelles, jumeaux, elle se coupe les cheveux, personne ne voit que du feu. C'est elle qui manie surtout bien l'épée. Donc elle va aller à l'école à sa place et elle va essayer d'éviter au maximum ce prince. Et comme ça, euh, pas d'embrouille, sa famille ne meurt pas, quoi. <laughs> Sauf que bon bah, au contraire, elle attire extrêmement l'attention. Euh, D'ailleurs, son secret euh, va être assez vite euh, révélé, euh, en tout cas pas à tout le monde, mais au moins à une personne. Mais j'aime bien parce que ça a vraiment une vibe parmi eux pour ceux qui lisaient le, le manga, peut-être de cette meuf qui allait dans une école de mecs et qui du coup se faisait dépasser pour un mec. Et ben bah, là, on a on a un petit peu ça quoi. C'est un autre gars qui la découvre Oui, oui, il y a un autre gars qui. Euh, à ce stade de l'histoire, il y a un autre mec, effectivement, euh, qui, euh, qui, euh, qui a connaissance de son secret. Le prince en question, pas encore. Euh, et il euh, y a un paramètre fiancé qui vient tout juste d'intervenir. Oui, je me rappelle avoir lâché parce que c'était insupportable. Bah, à ce stade de l'histoire, euh, moi, je trouve pas ça insupportable. Euh... C'est euh, très drôle. Euh, T'as des situations que tu vois pas forcément arriver. Donc pour l'instant, je clique. Ça veut pas dire que ça va rester comme ça. Effectivement, mais voilà, le genre de dessin qu'on peut trouver aussi. Du coup, ça me fait trop rire. Euh, voilà. Elle devient une demoiselle en détresse vraiment naze. <laughs> ok. Bah on verra, on verra sur la suite. Mais euh, pour l'instant, c'est grave rigolo en tout cas. Je peux pas. Euh, je peux pas. Voilà. Après, ça changera. Voilà. Non, merci, Tixil -tix -tix, aussi, 77, c'est très gentil. Après, comme je vous dis, ça c'est en ce moment euh, les webtoons. Quand je les vois, je clique, c'est quoi les, les premiers sur lesquels je clique parce que euh, soit c'est des webtoons dont j'attendais la suite avec impatience, soit parce qu'il y a un arc narratif tout spécifique en ce moment qui fait que j'ai envie de voir la suite, etc. Euh, comme vous voyez, il bah, y a certains que je suis depuis longtemps, mais il y a certains, c'est quand même des découvertes assez récentes qui ont pris le pas sur des histoires parfois qui étaient un peu plus installées, où justement ça devient plus plan-plan, ça traîne. Donc les, les nouveautés prennent le dessus. Je pense que tu me demandes mon top euh, hebdomadaire dans six mois, il sera différent, tu vois. Alors qu'il y en a qui seront, il y a des webtoons qui seront toujours euh, actifs. Euh, donc ça peut être intéressant euh, ponctuellement si vous avez envie d'avoir mes top euh, du moment de, de faire cet exercice en sachant que ça dépend aussi des, des jours de sortie parce qu'il y a certains jours, bah, genre le mardi par exemple, il y a pas mal de webtoons chouettes qui sortent, mais euh... <laughs> euh, bah ouais mais t'as loukis m'en face quoi donc euh, je suis pas complètement objective <laughs> pas de chance fallait sortir un autre jour <laughs> ouais. Ouais, mais euh, voilà, peut-être qu'un jour quelqu'un prendra la place du lookisme parce que sur le moment, l'arc narratif derrière sera plus intéressant que celui que je vivrai dans, dans lookisme, on sait pas, tu vois. Affaire à suivre donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça répondra un peu à ta demande, euh, Ploupi, sur ce que t'attendais d'un top. Voilà, pour le coup, c'est assez diversifié. Euh, j'ai de l'action, j'ai de la romance, euh, j'ai des insectes, euh, j'ai de la mafia, j'ai euh, du sexy, j'ai euh, de la monarchie euh, rollback. Là, on a. C'est assez varié, je trouve, en vrai, si je regarde. Hein.